Bon, on va commencer l'animation parce qu'on vous avait dit 1h30 et comme c'est 1h32, on va commencer. On voulait laisser aux gens le temps de manger. Pardon, je vais y arriver. Alors, on va faire l'animation maintenant. Pour vous expliquer rapidement le programme. Après, on fait le film. Après le film, on fera séance, dédicace, tout ça. On va vous offrir les affiches du film. Et puis, il y a sinon le bouquin sur la méthode. Parce que le film, c'est pas le DVD sur la méthode. Il y a quelques personnes, des fois, qui me disent « Ah, mais moi, je comptais en apprendre plus sur le dressage. » Alors, on voit quand même les principes de base qui sont chers à ma technique, on va dire. Mais c'est pas le DVD de la méthode. On est en train de le faire en ce moment. Le film, c'est tout autre chose. C'est pas un film qui a été fait pour le cinéma, c'est un film qui a été fait pour vous, en fait. Il a un côté amateur, puisque je suis un amateur, et c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà. Mais par contre, j'ai essayé de mettre des choses dans le film qui me tiennent à cœur, parce que c'est des choses qui ont changé ma vie, littéralement. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder le film tout à l'heure avec un cœur ouvert. L'animation générale avec les chevaux, ça passe toujours, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous présente rapidement le troupeau. On a les quatre frangines qui sont là. Donc la petite dernière qui a 7 mois. Et puis à côté, on a les mamans. C'est marrant parce que c'est les deux sœurs, elles sont de la même mère. Et puis l'entier n'est pas là aujourd'hui. Normalement, il y a Thibaut, il y a leur père qui travaille aussi, mais il est en train de protéger, on va dire, deux juments qui vont me faire encore deux poulains. Je me suis lancé dans les vagues. Donc il est évident qu'on va pas pouvoir coucher les chevaux, tout ça, même si vous avez vu les chevaux. Moi j'ose pas les coucher, je trouve ça trop dur, et eux de même ils le font. Mais bon, par respect pour ceux qui sont un peu couillés, on va pas les coucher, on va pas pouvoir vraiment galoper. Je vais voir un petit peu comment ça tient, je vais essayer de vous faire un maximum. Et puis ça va durer 25 minutes, j'en sais rien. Et puis après, on fera simplement le débat et les dédicaces, comme je vous disais tout à l'heure, après le film. Ok ? Vous êtes prêts? Oui. Alors on va y aller.
C'est mieux que le pantalon qui se déchire. Thank you.
Ça n'existe pas la sieste dans la région. Thank you.
permet de faire une vraie grosse surprise. Ce sera une première en tout cas pour ma part. Après la séance, voilà, on vous réserve un truc. Je ne sais même pas si ça va marcher, on verra bien. A tout à l'heure. Je vous laisse. Le micro. Hein? Attends pour moi. Voilà, donc ça c'est une vraie première qu'on fait. On a fait 47 avant-premières et j'ai jamais trouvé le directeur assez fou pour me laisser rentrer dans son cinéma avec les chevaux. Puis il y a des fois aussi ça ne le permettait pas. Et voilà, donc je suis ravi de le faire ici, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées à Tarbes. Ah voilà, la vraie vedette. Alors là, vous avez le petit cœur, hein, vous l'avez bien reconnu pendant le film. Ça reste le clou du spectacle. Donc il y en a qui montent les marches de Cannes, et puis elle descend les marches de Tarbes. Avec une très belle robe en paillettes. Voilà, donc je suis ravi parce que ça faisait longtemps que j'espérais faire ça. Et puis finalement, ben, ça peut se faire maintenant. Alors je vais vous faire encore un petit truc parce que j'avais dit que je vous ferais une petite surprise. On peut fermer les portes là-bas, s'il vous plaît ? Ferme que les blanches. Ferme que les grands. Tiens-moi le micro. Voilà, donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire le débat dans la salle comme ça se fait d'habitude, vous avez vu, ce film, il n'est pas tout à fait normal, je dirais. Et on va continuer dans ce sens-là. On va, avec les chevaux, retourner au camion. Là-bas, on va pouvoir faire les dédicaces, vous donner les affiches, tout ça. Et voilà, et comme ça, on pourra débattre sur le film si vous le voulez. Donc, suivez les stars et... Enfin, les stars, je parle des chevaux. Et on se retrouve au camion, là où vous avez vu l'animation tout à l'heure. Allez, laissez-nous juste sortir. Tu veux ou moi ? Ah, c'est bon, pour sortir, je serai plus à l'aise comme ça. On va bouger les choses et vous avez compris que ce film-là, quand je le présente à des gros groupes tels que CGR, ils disent « Mais non, ton film, c'est un film amateur, tu parles de Dieu. » Le problème, c'est que tu es français. Ça, je l'ai entendu. Parce que je suis français, je peux pas parler de Dieu aux français. C'est rigolo quand même, alors qu'on parle le même langage. Ce film-là, si un Américain l'avait fait, ils disent qu'ils auraient pu le passer, parce que quand un Américain annonce des choses comme ça, des mondieuseries, on va appeler ça comme ça, ça marche beaucoup mieux. Pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est réel. Alors, c'est clair que ce film... J'ai dû me débrouiller et le produire, alors qu'au début, je voulais ni le produire, ni le réaliser, ni même à la limite, je voulais pas forcément faire l'acteur. Je voulais pas jouer Jean-François Mignon, parce que je me suis dit que ça sera toujours plus facile d'être un peu à l'extérieur
de contrôler. Je sais déjà que j'en ai pas l'expérience. Donc si en plus j'ai toutes les casquettes, ça marchera pas. Et puis en fait, j'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit « Mais écoute, ton film, il est sympa, mais c'est pareil. » Je tombais toujours face au même problème. Je parlais de Dieu, ça ne se fait pas. Donc voilà. Et moi, en même temps, je répondais au producteur. Je dis « Mais moi, soit ce film, je le fais comme ça, soit je le fais pas. » Parce que j'ai marqué sur l'affiche une histoire vraie, parce que c'est juste mon histoire que je vous raconte. Alors après, j'ai des messages sur Facebook de temps en temps qui disent « Nous, on s'est sentis trahis, on venait voir l'homme de cheval et pas l'homme qui nous raconte des trucs sur Dieu. » Sauf que moi, j'ai jamais caché que j'étais croyant, bien au contraire, si vous regardez les magazines équestres, dedans, j'ai toujours un point d'honneur à dire que je suis croyant. Après, les journalistes ne faisaient pas toujours passer l'info, déjà parce que ça risquait de déranger. Et moi, voilà, je voulais vous parler avec franchise, avec honnêteté. Alors certes, souvent avec maladresse, mais c'est mon côté et je ne peux pas trop me changer de ce côté-là. J'essaie de progresser chaque jour. Mais quitte à être maladroit, quitte à passer un peu pour un lourdingue, je voulais oublier personne, je voulais que le message soit clair. Alors il y en a pour certains pour qui ce message est trop lourd, mais en attendant, je pense que je peux toucher tout le monde et que le message est clair. Donc ça, c'était super important pour moi. Une autre chose qui était très importante pour moi, c'est qu'après ce film, il n'y ait aucune personne qui se fasse attraper par la première secte qu'ils prennent. Ça, c'était super important parce que je connais les gens aussi. Je sais qu'il y en a qui ont un côté un peu fan, oui, de moi. Ça non plus je ne l'expliquerai pas, mais en attendant, en aucun cas, même dans ce film, je veux non seulement que les gens n'aillent pas dans les sectes, mais je veux certainement pas qu'il y ait une seule personne ici qui croit en Dieu parce que je crois en Dieu. Hein, qu'on soit bien clair, ça je vous ai raconté mon histoire, c'est comme si j'avais trouvé un truc incroyable qui rend serein et heureux. Voilà, je vous l'ai mis en image et c'était pour moi vraiment le but de ce film, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et réussir à faire du business avec ce film ou pas, ça n'a rien à voir. Et c'est d'ailleurs là où ça pose un problème face au gros groupe qui se retrouve avec un gars qui n'en a rien à faire de rien et qui dit « Moi, je m'en fous, je jette mon message comme ça parce qu'il m'a touché, parce qu'il m'a rendu service et parce que j'aime les gens, parce que je vous aime, je vous dis, c'est sincère, parce que j'aime les chevaux aussi, je le rends bien. Hein, » la petite collègue de cette fois, elle n'a pas eu le droit, elle était sur la tête parce que c'était déjà chaud. Ben voilà, et tout cet amour, je voulais vous le sentir à travers ce film. Alors, souvent, il y a des gens qui me disent que ça se sent quand même, et ça me rassure un peu. Donc voilà, il y a même des gens qui pensaient que j'étais devenu un super mégalo et qui fait... Vous imaginez, Jean-François Pignon qui fait un film sur Jean-François Pignon. J'aurais presque pu l'appeler Jean-François Pignon, le film. Mais justement, je tenais à ce qu'il ait certainement pas ce mot. Je voulais même pas mettre mon nom sur l'affiche. Mais bon, il y en a qui m'ont dit, mais alors on ne sait même pas qui c'est qui a réalisé ça. Déjà que ton film, c'est pas gagné, alors s'il n'y a plus rien pour que les gens... puisse avoir un repère, ça ne marchera jamais. Mais bon, c'est comme la 4F, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité, ça ne marchera jamais. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens qui vont voir le film, il y en a beaucoup qui ont été touchés, et du coup, ils ont envie, eux, à leur manière, de pouvoir participer à quelque part ce message de bien-être, et qui essayent de le conseiller à leurs amis, tout ça. Donc forcément, je vous le conseille aussi. Mais j'irais même mieux, maintenant que vous avez vu le film, vous allez chercher votre meilleur ennemi. Ah, vous devez tous en avoir des ennemis. Vous allez chercher votre meilleur ennemi et vous venez avec lui voir le film. Et je pense qu'après vous pourrez débattre sur le sujet qui vous a mis dans un état de rivalité comme moi j'ai pu l'être avec mon frangin par exemple. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne parmi tant d'autres. Et normalement, il y a... Je sais pas, moi j'étais pas dans la salle, là j'étais avec mon ami Olivier et nos chevaux à surveiller un peu ici et puis à préparer un peu ce qu'on allait vous faire comme surprise. Je vous avoue c'était chaud à l'extérieur, hein. Ça a failli pas marcher. Mais en fait je sais même pas, mais normalement il y a toujours une ou deux personnes qui partent de la salle. Vous avez vu ça ou pas ici? Non. Hein? Vous avez vu? Il y a des personnes normalement, non? Bon, mais ça c'est rare. Alors peut-être que... Je ne sais pas comment on appelle les gens de table, ils sont peut-être plus tolérants sur tout ça. Mais c'est très souvent que ça arrive, parce que en même temps qu'il y en a qui entendent parler de Dieu, ils disent c'est bon. Le gars, moi j'en ai croisé un l'autre jour dans les couloirs, il m'avait dit ah, c'est bon, hein, les chevaux oui, la religion non. Et vous avez vu, la phrase qui me tenait à cœur aussi de mettre à la fin, à chaque fois que j'ai dit que je croyais en Dieu, j'ai toujours eu la même question, de quelle religion es-tu? J'appartiens à aucune religion. On peut croire en Dieu sans appartenir à une religion. Et heureusement. Donc sorti de là, tous ceux qui voulaient voir un petit peu plus de Jean-François, de technique avec le travail des chevaux, c'est clair que ceux-là, ils sont un peu frustrés.
Mais moi, j'aime recevoir des mails quand les gens disent, ben moi, je venais voir un gars de cheval, et puis finalement, j'ai vu mieux que ça, j'ai vu plus que ça. Hein, parce qu'ils ont été au-delà, ils ont reçu les messages. Alors après, c'est pareil. Moi, c'est que des conseils. C'est comme si j'avais trouvé un truc incroyable et qui marche miraculeusement, j'allais dire. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne vous sentez ni trahi, ni bousculé. Et maintenant, si le film vous fait réfléchir, tant mieux. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est super important de s'aimer les uns les autres? Levez la main pour voir. Il n'y en a pas tant que ça en général. Mais table, c'est vraiment spécial. Ils les ont réunis tous à table, les gens comme ça. C'est super important. Je vais vous donner un exemple. Et là, pour le coup, on va revenir directement avec le travail des chevaux. Parce que sinon, il y en a qui disent, ah bah oui, bah, il continue à partir dans son trip. C'est un parallèle extraordinaire. Le travail des chevaux et ma conversion à Dieu. C'est pour ça que je vous ai mis les deux dans le film. Quand je travaille un cheval, aimer un cheval, c'est très important. Hein, de l'aimer de tout votre cœur quand vous travaillez, c'est super important. Mais attention, c'est comme aimer les gens. C'est facile d'aimer les gens qui sont sympas avec vous. Il n'y a rien de plus facile. Aimer un cheval qui travaille bien, il n'y a rien de plus facile. Vous allez garder le sourire, lui dire viens ma cocotte comme ça. Et puis là, elle ne vient pas. Il faut se dire, ben, c'est génial, elle ne vient pas. Mais dans mon cœur, je reste, c'est génial. Qu'est-ce que fait l'être humain quand il veut faire venir le cheval et que ça bloque? Il fait, ah merde, pourquoi ça ne marche pas? Et tout de suite, cet amour débordant qu'on devrait avoir en permanence dans le travail n'est plus là. Et ça, quand vous n'êtes plus en amour débordant avec vos chevaux, quand ils ne travaillent pas, vous allez vous durcir et là commencent les vrais problèmes. Normalement, un cheval, c'est sans problème. Vous avez vu, là, on est avec des chevaux comme ça. Alors, faites attention avec vous, parce qu'entre eux, il y a une vraie puissance hein, au sein du troupeau. C'est pas forcément drôle tous les jours, même ce poulain là, quand il a deux jours et qu'il tète un peu fort, la jument elle n'hésite pas, il lui met un grand coup de dent. Moi ma femme elle allait, quand mon fils lui pince le mamelon, il va pas prendre une claque. Hein. Mais voilà, on est dans deux mondes différents. Mais par contre ce qui est sûr c'est que ce petit bouchon qui a 7 mois, là je ne vous l'ai pas fait parce que je trouve que le sol est trop dur. Hier pour la première fois en public avec un terrain qu'elle ne connaissait pas, j'ai mis le stick comme ça et elle s'est couchée. Elle a appris à le faire il y a 2-3 jours. Extraordinaire et je sais aussi que quand elle voulait pas se coucher la première fois, je restais à insister rempli d'amour en me disant allez, faut aller se coucher maintenant. D'accord, le cheval n'a rien à faire, hein, il n'a pas besoin de travailler. Lui, il veut pas faire de la scène. Quand j'entends des gens qui disent moi, mon cheval il aime les applaudissements, allez, ton cheval tu l'as cloné avec un être humain hein, parce que un cheval ça n'aime pas le bruit. J'en parle dans le film aussi. Vous avez vu, le cheval aime le silence. Tout à l'heure, vous avez vu. L'animation là, il n'y a aucun cheval qui a henni, on est d'accord? En fait, quand il n'y a pas de problème, normalement, il n'y a pas de hennissement. Là, regardez, tout va bien, les chevaux n'hennissent pas. Vous avez vu? Le train fait du bruit. Le poulain, sa première réaction, il s'en va. Les applaudissements, les chevaux ont la même réaction. Merci, hein, c'est super fait, hein, le truc. Passer le train en même temps, c'est extra. La table, ça fait chaud. Hein. C'est parce qu'on n'est pas loin de Lourdes, c'est pour ça. Vous devez avoir... les ondes. Et donc sorti de là, voilà. La première chose, observez bien l'animal que vous allez travailler. Parce que là, on est avec un monde du silence et là, on est avec un monde de bruit. D'ailleurs, les êtres humains, quand ils aiment quelque chose et qu'ils applaudissent, en général, nous, au contraire, quand ça va bien, ça fait du bruit. Et d'ailleurs, regardez, quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un qui est mort, quand il y a eu un drame, ce qui se passe en général, c'est qu'on fait la minute du silence. Qui est super difficile à respecter d'ailleurs chez les êtres humains. Eux, c'est la minute du bruit qui serait difficile à faire. Hein, si vous demandez aux chevaux de faire pendant une minute que du bruit, alors que tout va bien, ça ne marcherait pas. Okay. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Désolé s'il y en a qui ont plus subi le film que ce qu'ils l'ont apprécié. Je sais que ça peut arriver. Maintenant, je dis aussi, les gens qui partent du film, ça me touche. Mais je ne suis pas maso. Mais malgré tout, ça me touche. La première fois, quand j'appelle un cheval, je lui ai appris à venir. J'ai appris les bases, vous avez vu, avec la petite gazelle. Je viens avec mon stick sur l'épaule et le cheval vient comme ça. Ça, c'est le premier geste que j'ai trouvé quand j'étais gamin. Comme vous avez vu dans le film, j'ai essayé de faire en fait une reconstitution historique. Je vais vous garantir que le jour où j'étais blasé parce que j'avais couru après gazelle, comme dans le film, et puis j'arrive, je ne crois plus en rien là. Et je suis là et je tape mon stick comme ça en disant je sais pas ce que ça va faire, ça ne peut pas marcher. Je fais. Et le cheval vient vers moi, et là je me suis dit, vache de vache. Je reste promis.
j'ai trouvé un truc incroyable. Et aujourd'hui encore, avec mes chevaux, je continue à faire ce geste-là. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure dans l'animation, mais j'appelle mes chevaux sur l'épaule comme ça, sur l'épaule gauche parce que je suis droitier. Voilà, là ça devient un petit peu plus technique. Et je ne me pose pas de questions. Et comme j'ai appris 100 mètres quelque part, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. J'ai mis des fois 20 ans à comprendre des choses que j'apprends en deux jours dans les stages que je fais. Alors, pour la question pour les stages, ça se fait chez moi uniquement dans le... À partir du moment où on est dans le sud de la France, c'est à la maison. Ça, c'est pour éviter tous les mecs qui disent « Oui, je vous ai entendu parler des stages et je veux plus d'explications. » Enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous allez en Angleterre, l'idéal, c'est quoi? C'est de parler anglais, on est d'accord. Hein, moi, j'ai donné un stage au Japon, je vous garantis qu'heureusement que j'avais un traducteur. Hein. Je ne dis pas trop fort là. Voilà, je ne dis pas japonais. Mais ce qui est important quand on se déplace de pays à pays, c'est de parler le langage du gars du pays. Et bien avec les chevaux, c'est pareil. Pourquoi on ne s'est pas posé cette question? Pourquoi on est arrivé avec tout notre matériel d'être humain, de tout ça? Hein, simplement parce qu'on avait besoin que le cheval soit efficace. Mais on se rend compte que finalement, quand vous utilisez vos chevaux plutôt au geste qu'à la parole, ils prennent beaucoup plus de plaisir à être avec vous. Hein, qu'est-ce qui les oblige à venir tous en liberté comme ça dans le cinéma? Pas grand chose, parce que je vous garantis tout à l'heure, c'est très fragile. Il y a nos regards qui sont croisés avec Olivier, j'ai failli lui dire, bon, l'idée était bonne. Maintenant, pour la mettre en place, c'est autre chose. Mais bon, on a réussi, il m'a aidé un petit peu à faire avancer un cheval ou deux. Il faut surtout, en fait, jamais leur donner une sensation de crainte. Hein, qu'ils soient dans le bonheur. Et quand on a fait cette scène, c'était de loin la scène pour moi la plus dure à mettre en place. Là, vous ne le voyez pas, mais on est avec un hélicoptère au-dessus des chevaux. On n'est pas avec un petit drone. C'est un hélicoptère, il y a les pales de l'hélicoptère. Je pense que vous savez ce que ça fait. Et en plus, l'idée, c'était de faire raser l'hélicoptère au sol et puis monter après pour laisser passer les chevaux dessous. Alors la bonne surprise, c'est Petit Cœur qui arrive en dernier. Parce que dans les premières prises, Petit Cœur était en premier, elle se faisait attaquer par les autres. Mais après 3-4 fois à la scène, elle en avait un peu plein les jambes. Donc, mais c'est grave parce que si on la voit bien partir avec le troupeau quand même, et c'est seulement après, alors qu'on l'a un peu oublié, qu'elle arrive. Et je trouve que c'est un point final pour le film, n'est-ce pas? On a eu plein de cadeaux comme ça dans le film. Mais en tout cas, cette scène-là, au-dessus de moi, il y a l'entier, il y a le père de ce poulain-là. Lui, c'est la première fois que je le lâche en liberté. Je choisis le jour où il y a un hélicoptère. Quand même être pas tout à fait net. Mais en fait, j'avance dans ma vie avec des sensations comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait des camarguais, une manade qui se baladaient au loin. Et l'entier, il était rivé sur moi. Et d'ailleurs, là, c'est la première fois que je le lâche en liberté. Les autres, on sent qu'ils ont déjà fait ça. Et lui, parce qu'il ne l'a pas fait, plutôt que de partir, il se met dans mon rang. Et il me quitte plus en fait, parce qu'il est mort de trouille. Là, la jument que je monte, c'est la grosse tabac qui dort. Mais elle, dans mes jambes, je sens une jument morte de trouille. Elle est pétrifiée à l'idée de passer sous l'hélicoptère, parce que l'hélicoptère était rasé le sol comme ça. Seulement après, il partait. En fait, on lui fonçait droit dessus et on allait moins vite que lui. C'était le but de la scène, hein, c'est de rattraper l'hélicoptère et que lui nous laisse passer dessus comme ça. Mais pour un cheval, lui, c'est pas que l'hélicoptère, vous avez prévu qu'il reparte vers le haut. Et avancer comme ça, c'est comme si vous demandiez d'aller droit dans un mur, quoi. Et il y a un mur qui fait du bruit, en plus. Ça, c'est les deux frangines. Elle a un an de plus que celle-là, et puis la mère, c'est la petite chérie là-bas au fond. Donc voilà. Alors, peut-être des questions? Alors, les tournages, est-ce que vous avez reconnu Tarbe? Oui. Oui, bon, super. Hein, Ouara de Tarbe, c'était génial. On a une des organisatrices, là. Qui est là, Anne. Merci Anne de nous avoir reçus toutes ces années. Et ils nous ont fait un cadeau incroyable. En fait, on a fait un échange. Moi, j'ai échangé mon spectacle contre la possibilité d'utiliser tous les locaux, tout ça. Et ils m'ont même laissé faire la scène. Là, vous n'avez pas forcément reconnu Tarbes. Mais quand je suis en homme de Cro-Magnon la première fois dans la piste, c'est à Tarbes aussi. Hein, vous aviez reconnu aussi? Oui, ah, porte Mido. Et en fait, et ça c'était un cadeau incroyable, on a eu beaucoup de cadeaux sur ce tournage et on en avait besoin parce que sinon on n'aurait jamais pu réussir à faire tout ça. Donc c'est vrai que les organisateurs, au même titre que Maurice Gall quand on a fait Avignon, ils ont été, là où on a fait Avignon, c'est quand il y a toute la foule qui se lève au début, tout début du film. Et alors ce qui est rigolo, c'est que quand vous voyez la main qui est comme ça et la jument qui pose sa tête au sol, c'est exactement la même place où j'ai fait mon premier spectacle avec Gazelle. Le premier spectacle, entre guillemets, professionnel. C'est en tout cas celui-là qui m'a fait un vrai tremplin pour la carrière.
Et c'est pareil, à chaque fois que j'aurais proposé, ces gens-là ont dit il n'y a pas de souci, tu viens, et puis on va mettre ça en place. Et ça, croyez-moi que c'était extraordinaire, parce que faire venir 5000 spectateurs, faire venir une carrière de sable, la technique et tout ce tralala, ça aurait été juste impossible à faire. Là, du coup, le film n'a pas coûté cher, il a coûté qu'un million d'euros. Ça calme, hein. Ouais, ouais. Il y a mon caméraman qui disait soit tu fais des économies, soit tu fais un film. Il avait raison. Et un million d'euros, j'aurais jamais pensé que ce film me coûte autant d'argent, mais je dirais que pire que ça, c'est de l'énergie. J'ai laissé une énergie incroyable là-dedans. Parce que pour pas que ça me coûte plus que ça, il fallait que j'aille voir les hôtels. Et d'ailleurs, entre nous, le Rex Hotel à Tarbes, là, et c'est là où on fait les scènes aussi. Là, on est dans. Ils nous ont carrément offert des suites pour tourner. Parce que quand vous arrivez avec une équipe, un travelling et tout ça, il faut de la place, quoi. Vous n'allez pas faire ça dans une toute petite chambre. Et ça a été royal. Ils nous ont dit, écoutez, l'équipe, tout ça, prise en charge totale. C'était Fabrice Erwan à l'époque. Je ne sais pas si vous l'aviez connu, ce gars-là. Il a été touché par le film, alors que le film n'existait pas encore, puisqu'on était en plein tournage. Il a été touché par la cause. Il a dit, OK, moi, j'ai vu avec mes promoteurs, tout ça, là, allez-y, c'est cadeau. C'est quand même un cadeau. J'ai chiffré à peu près, c'était 15 000 euros, quoi. C'est pas rien. Sur le 1 million, on ne s'en rend pas compte. Mais 15 000 par-ci, 15 000 par-là, 50 000 par-ci, par-là. C'est comme le Grand Palais, ça a été cadeau. Normalement, c'est 50 000 euros la demi-journée de tournage, ou la journée de tournage, je ne sais plus. Je m'en fous, j'ai pas payé. Mais j'ai eu les autorisations. Et ça, c'est des cadeaux qui ont été là en permanence. C'est pareil, quand on tourne dans le Vercors, normalement, ils n'acceptent aucun tournage. Parce que c'est un lieu protégé, vous savez, par l'environnement, par tout ça. Au moment du drame du cerf, on y a été en plus. Et on dit non, mais nous, de toute façon, c'est pas possible parce qu'on n'accepte pas des groupes au-delà de 15 personnes. Et je le regarde en souriant, je dis, on est 15. Mais c'était incroyable. Et avec le caméraman, tout ça, le maquilleur et tout, on était 15. Ah ben, il m'a dit, mais alors c'est pas un vrai tournage. Je lui dis, non, non, c'est juste un petit tournage comme ça. Hop, autorisation. Et voilà, donc, et moi je m'en fous qu'on dise que mon film, ça soit un vrai film ou pas un vrai film. Le but du jeu, c'était de toucher le cœur des gens. Et croyez-moi, j'en ai eu déjà pas mal qui ont été touchés. Hein, la petite dame trop mignonne tout à l'heure qui vient encore et qui me dit, moi j'ai beaucoup pleuré, j'ai été touché. Et ben voilà, c'est juste ça, le but de Gazelle, c'est ça. Vous faire réfléchir, peut-être voir les choses différemment. Donc voilà, je joue le moralisateur, je le fais exprès, je pense que je suis là sur Terre. Je ne sais pas combien de temps je vais passer, mais le temps que je vais passer à vous faire la morale et à me la faire aussi, parce que je fais partie du lot, hein. Je me dis pas que je suis un surhomme, bien au contraire. J'ai toutes mes fragilités, toutes mes choses comme ça, j'ai vu aussi sur le tournage, il n'y a rien qui est simple. Encore aujourd'hui, la distribution, regardez, je viens de Nîmes, à Tarbes, pour faire une animation de 15 minutes, le gars, il n'en revenait pas. Il dit, on a mangé au restaurant, là. Très bon, d'ailleurs. Et il me dit, mais vous êtes d'où? J'ai dit, de Nîmes. Il dit, pour 15 minutes? Et le gars, il sourit, il dit, c'est quoi ce malade? Il arrive avec son camion, ses chevaux, pour 15 minutes, devant quelques personnes comme ça. C'est des personnes de Tarbes, attention. Et en fait, voilà, mais parce que moi je suis à fond pour ce truc-là. Et c'est là où on se dit, si c'était pour le business, je me dirais non, parce que déplacer un camion et tout, tralala, ça coûte de l'argent. Et ce que je gagne ici, ça va forcément pas couvrir les déplacements. Alors c'est pour ça qu'on va faire passer un chapeau. Non, je déconne. Vous avez eu peur quand même. Vous dire, ah merde, je le savais qu'il y avait un piège là. Non, non, bien entendu. Et même on va faire pire que ça. On va vous offrir des affiches du film. Une petite dédicace si vous voulez. Alors pour ceux qui sont un peu frustrés par rapport à la méthode, sachez qu'il existe un livre qui parle justement de cette méthode. Il existe aussi toute l'histoire, c'est un livre biographique, donc l'histoire que vous avez vue dans Gazelle, vous allez retrouver dans le livre, je vais y arriver, avec les messages un peu moins lourds, un peu moins pesants, je sais pas si c'est les écritures ou parce qu'on a moins forcé, enfin bon. Et en tout cas, là vous avez la méthode aussi. D'accord, avec la technique, comment utiliser son stick, parce qu'il y a une vraie technique pour travailler les chevaux, mais avant tout, il y a un état d'esprit. Et le mec qui va s'appliquer, qui va faire avec son stick, avec ses déplacements, un truc super juste, ça vaut rien s'il n'a pas le bon état d'esprit. Il faut qu'il s'éclate à faire le truc. Quand je donne un stage 7, 8, 9, 10 mai à la maison, donc ça à 500 bornes, bon, ça vous fait peut-être un peu loin, mais ce que j'apprends avant tout, c'est de s'amuser quand ça ne marche pas. Et on rigole beaucoup avec les stagiaires parce que le stagiaire il est là, ça galère, le cheval n'y arrive pas et il se retourne des fois et il fait « Ah, je m'amuse bien hein. !» Des fois c'est un peu ironique, mais ils sentent que c'est très important. C'est la galère, on s'amuse quand même, ok?
avec ces animaux, c'est super important. Ils vous demandent rien, hein, ils ont pas besoin de nous, eux. Hein. Vous les mettez en troupeau dans l'herbe, tout va aller bien, ok? Donc, bah maintenant, à moins qu'il y ait une question, quelque part. Non, on fait les dédicaces? Allez, c'est parti, on va ouvrir le stand. Oui, alors Cédric Pignon, en fait, il est joué par Mathieu Pignon. Et Cédric Pignon dans le film, c'est en réalité Frédéric. Pignon. C'est ça. C'est ça. Alors, un méchant. Elle n'a pas démarré, j'ai démarré. Merci. Alors, le livre avec la méthode, c'est 50€ et on vous offre le fascicule qui est normalement à 10€. Donc, si vous prenez les deux, le fascicule est gratuit. Si vous prenez le livre, le fascicule est gratuit. Sinon, vous pouvez l'avoir que pour 10€. Enfin, que pour 10€. Vous pouvez l'avoir tout seul pour 10€. Et toutes les affiches dédicacées sont gratuites. Ah, il se sert. Alors, on va essayer de s'organiser. On va prendre toute la queue comme ça, si vous voulez bien. D'accord? On se réunit comme ça. Voilà. Et en général d'ailleurs, la France, c'est que je pense que tu as une question de carrière, une fois la France, c'est ça. On retourne sur ce sujet. Ouais, enrichissant. Oui, quand même. Tu vois, je suis bien.